Francis Branch Gosselin. Je demeure à Burnsville et j'ai 85 ans. Et bien, moi, je suis la plus vieille d'une famille de 17 enfants. Ça fait que j'ai eu de la pratique. J'ai commencé à faire du pain. J'avais 15 ans, puis je n'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Je me suis mariée à 18 ans. Puis, mes parents, chez nous, c'était... je dirais pas qu'on était à l'aise, mais un papa, c'était un jobber, comme il disait dans le temps. Il avait des mouillards, puis des camions, puis des camps l'hiver, puis tout ça, ça fait... Mais après ça, quand c'est que je me suis mariée, on n'était pas pauvres, on n'était pas riches non plus. On a eu, comme tout le monde, les enfants venus, un par derrière l'autre, jusqu'à 16. Quand que c'est que la plus jeune est venue au monde au mois de mai, le plus vieux, qui avait 17 ans, graduait au mois de juin. On était tous à la maison. Après ça, ben ça a continué. On a eu des hauts et des bas. Pareil, on était pas riches. Je dirais pas qu'on était pauvres, parce qu'on a toujours eu à manger. Mais on se faisait des jardins, puis on a gardé des animaux. Puis mon mari, c'est un gros travaillant. Il arrêtait pas. Il s'en allait dans le bois à un moment donné, il montait en haut de Batters, il était parti des 4-5 semaines. Dans ce temps-là, tu ne descendais pas tous les soirs. Là. C'était 3-4 semaines, 5 semaines. Après ça, il était à un moment donné, il était apparent. J'étais enceinte de mon abandonné. Il était parti 6 semaines, je pense. Puis dans ce temps-là, il faut qu'on s'arrange tout seul. Là. Et après ça, ben, les enfants ont grandi. Ils ont été à l'école, ils se sont instruits. Ils pouvaient tous travailler, ils ont presque tous gradué. Gradué, je parle du secondaire, de la polyvalente. Puis après ça, ben, disons, 15 ans passés, ben, on est tombé tout seul. Les enfants étaient tous partis. Puis je ne suis pas la seule femme que son mari s'en est allé pour travailler au loin. On était plus dur dans ce temps-là. À l'heure d'aujourd'hui, ils s'en vont à Fort McMurray, ils peuvent se contacter, se parler, c'est une terrible affaire. Là. Nous autres, là, on n'avait pas de téléphone. Ils ne pouvaient pas nous téléphoner, ils pouvaient pas. Il n'y avait rien. Là. Ils s'en allaient, puis la plupart d'eux autres, c'était comme mon mari, nous deux autres, ils ne savaient pas lire et écrire, ça fait qu'ils ne pouvaient pas écrire. Comme moi, comment j'écrivais, ils ne pouvaient pas lire mes lettres. C'était... On était vraiment isolés. C'est sûr, je pense à ça, je me considère chanceux. J'ai eu la laveuse, la sécheuse, puis le poêle électrique en 1970. Là. Puis je pense à ça, là, à avant, il y a comme un avant puis après. Là. Puis je pense encore à avant, là, puis je pense, j'ai encore de la misère à croire que j'ai tout ça. Tu sais, on dirait qu'on... Puis je pense souvent aux ancêtres, surtout aux femmes. Ils ont dû nous arracher. Je ne peux pas faire autrement que penser à ça. Puis ça s'est amélioré, mais il y a encore d'ouvert à faire. C'est comme je regardais un itinérant qui avait demandé à une femme pour une pièce. Puis il a donné 70 cents, mais elle dit c'est pas une pièce. Elle dit c'est une pièce de femme. Parce que les femmes gagnent ça, pour chaque pièce que les hommes gagnent, les femmes gagnent 70 cents. C'est vrai, c'est encore vrai. Ben, d'apprécier ce qu'ils ont. Je réalise que même moi, on n'apprécie pas. Comme quand avant que mon mari est mort, me semble, tout y allait bien, le temps était beau, puis tout d'un coup, l'orage, puis il est mort. Tu sais, après ça, on est tout seul. Là. Puis quand même qu'on a 16 enfants, là, quand on est tout seul le soir, on est tout seul. Et ça a changé certain, parce qu'aujourd'hui, 3-4 enfants, c'est une grande famille. Là. Puis nous autres, là, on n'avait pas de laveuse, pas de sécheuse, pas de pampers. Là. C'était... Puis on mettait le linge de rose sur la corde, puis la corde tombait dans la vase, puis il fallait tout relaver de nouveau. Puis je suis sûr que je ne suis pas seule, ça s'est arrivé, ça.
L'hiver, ben, il fallait faire chausser le linge dans la maison. C'était pas facile, ça, non plus. Surtout quand on avait quatre à la couche, là. Bon, j'ai eu deux jumelles là-dedans, puis comme j'avais deux jumelles, puis les deux avant, ça faisait quatre à la couche, puis après ça, ça continuait encore pour plusieurs années qu'il y avait quatre à la couche, là. C'était des couches de flanellite, c'était pas... Je veux dire, je pense à quoi c'est que c'était dans notre temps, puis mais des fois, j'ai de la misère à avoir de la sympathie, là, pour les... pour ceux qui se lavent, puis ils n'ont pas de vacances, puis tout. On n'avait pas de vacances, toujours, non plus. On n'avait même pas le temps de se payer un dépression.